Bienvenue à cette réunion des tiers-lieux, cette table ronde qui n'est pas si ronde que ça, mais on nous a dit qu'on allait arrondir les angles. Table carrée. Donc voilà, aujourd'hui, la thématique, c'est les tiers-lieux. Donc les tiers-lieux comme vecteur d'inclusion autour de l'insertion pour l'emploi, l'environnement, la cohésion sociale également. Vous êtes invité à participer aussi. Et puis, je pense que pour commencer, on va faire un petit tour de table pour que chacun puisse se présenter. Voilà, et puis un petit peu parler des tiers-lieux. Vous savez tout ce qui est un tiers-lieu? Oui. Non, vous pouvez dire non aussi. Comme ça, vous allez apprendre beaucoup de choses. Les gens du fond, s'il vous plaît. Ah oui, le monsieur là-bas? Non, à côté. Je laisse la parole à l'animateur. Qui va... Voilà, c'est toi l'animateur. Bon, Elena a dit un tour de table. Donc bonjour, Fabrice Nicole. Donc moi je viens de Montélimar, donc j'ai pas amené de nougat, désolé. Mais donc de Montélimar, et donc moi je j'accompagne notamment, on parlait tout à l'heure du dispositif de manufacture de proximité. Moi je suis juriste et spécialiste de la gouvernance de ces espaces. Donc j'ai accompagné là, sur la métropole les 100 manufactures, donc des super tiers-lieux, en termes de structuration juridique et de modèle économique. Donc voilà, donc mon expérience et ma participation aujourd'hui. Donc Tonio, je commençais par administrateur CPME pour faire plaisir à Jean-Philippe. Mais voilà, jeune chambre économique, je suis en charge de la formation régionale Océan Indien, Réunion et Mayotte cette année, et en charge de la création de nouvelles jeunes chambres sur les territoires français. Bonjour à tous, Elena Burglonner. Donc moi je suis directrice pédagogique à Émergence OI, qui travaille dans l'inclusion numérique, la lutte contre l'illettrisme et la fracture numérique. Et on porte également un Fab Lab avec Run Fabric. Donc on est labellisé fabrique de territoire, mais également manufacture de proximité, donc sur un projet de valorisation de déchets végétaux. Donc quelque part aussi les Fab Labs au service de la transition. Bonjour à tous, Jean-Jacques Tomasini, chargé de mission à la préfecture. Je suis chargé des politiques d'État concernant le numérique et le tourisme. Bonjour à toutes et à tous, Samuel Marianne, chef de projet digital au Centre Régional d'Information Jeunesse. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi de participer à NEC pour la 5e fois d'affilée. Enfin, c'est important pour moi et pour ma structure de représenter la voix des jeunes sur cette thématique du numérique. Bonjour, Jean-Philippe Payette, je suis le délégué général de la CPME, qui est un syndicat interprofessionnel d'entreprises. On représente toutes les entreprises du territoire, quelle que soit leur taille. Et la raison pour laquelle je suis sur cette table ronde, c'est que, de manière générale, on est intéressé par tout ce qui est outils nouveaux en termes d'intelligence collective permettant ou pouvant permettre à nos entreprises de mieux travailler et de s'inscrire mieux sur le territoire, d'une part, et puis d'autre part, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs avec lesquels nous, on est en relation, que ce soit sur les questions d'inclusion ou en termes de développement de nouveaux modèles, et qui sont susceptibles de le faire dans le cadre de tiers-lieux. Donc ça justifie grandement qu'on participe à cet atelier. Bonjour à tous, moi c'est Kevin Goubeau, donc je travaille pour Solidarnum. Nous sommes aussi, nous avons un Fab Lab qui s'appelle Run Fab Lab et dont justement je gère l'activité un petit peu. Donc c'est le tiers lieu que nous représentons et on vous en parlera peut-être un peu plus en détail après. Merci. Du coup moi c'est Florent Benhammer, donc je suis là à double titre. Le premier c'est en tant que représentant et contributeur au réseau, donc à la Réunion des tiers-lieux, qui est un des réseaux qui tâche de fédérer les tiers-lieux au sein du territoire et qui tâche d'accompagner cette dynamique-là et l'émergence de nouveaux lieux. Voilà. Également en tant que contributeur à Open Atlas, donc qui est la structure juridique qui porte le commun numérique connecté, qui est producteur de nombreux outils, donc notamment pour les tiers-lieux, mais aussi pour les collectivités, avec notamment
On accompagne la mise en place d'outils sur la réunion des tiers-lieux. Sur la réunion des tiers-lieux également, voilà, on a été producteur de la cartographie nationale de France tiers-lieux, par exemple. Donc, voilà. Et puis, on accompagne aussi au plus proche du terrain les porteurs de projets de tiers-lieux à la mise en place de leurs outils, à l'innovation qui se produit au sein de ces lieux. Ça marche? Ouais, super. Est-ce qu'il y a des responsables de tiers-lieux, tiers-lieux en création? Vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, James Caratini, directeur de Science Réunion et responsable au quartier à Saint-Paul. Et François Carteau, le président de l'association. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en devenir? Oui, Luciano Mabrouk. Donc, mon idée, c'est de monter un tiers-lieu à Saint-Denis. Donc, je suis là pour prendre un peu les informations et prendre un peu d'expérience. Voilà. Merci, merci. On va parler un peu des parties prenantes, des acteurs. Ah. Excusez-moi, Jémy Rivière. Donc, je travaille à la médiathèque de Sainte-Marie, de Sainte-Suzanne, pardon. Et je suis donc, par conséquent, responsable d'un tiers-lieu, puisque les médiathèques ont en leur sein beaucoup d'espaces numériques, et nous participons aussi à l'inclusion numérique par ce biais. J'ai oublié personne. Oui, non, c'était juste une question. La définition du tiers-lieu tel que vous le définissez, est-ce que c'est obligatoirement du quartier prioritaire ville? Qu'est-ce que c'est exactement? Merci. Bonjour à toutes. Léo Kishnasami Alamelou et je représente le pacte de transition citoyenne régionale, également de petites structures associatives, la FIE. Et on a aussi un projet de tiers-lieu sur la commune de Sainte-Marie et notamment dans Léo. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Et je souhaitais aussi présenter toutes mes excuses au groupe qui a organisé, parce que j'ai brillé par mon absence. Merci. Oui, bah, pour répondre à la question de la définition du tiers-lieu, en tout cas, nous, on se reconnaît un petit peu dans la définition qui est produite un petit peu sur un mouvement qui s'appelle les TILIOS, donc les tiers-lieux libres et open source, sur le fait vraiment, ce qui est important, c'est que les tiers-lieux se définissent non pas par le lieu en lui-même, mais vraiment par les personnes qui le constituent. Donc l'idée, c'est que ce soit un espace ouvert dans lequel les gens sont en capacité, ou en tout cas, on leur donne les capacités d'être... contributeurs et d'être à l'initiative de leur propre projet. Voilà, en gros, avec de nombreux tiers-lieux thématiques, culturels, autour de l'agriculture. Voilà, c'est la diversité des tiers-lieux est immense. Et effectivement, la définition, elle est un peu, il est un peu dur de trouver un consensus autour de cette définition. Enfin, on était relativement assez peu nombreux, je pensais qu'on m'entendait sans micro, mais non, j'étais en train de reprendre. Ah, pardon, effectivement. Donc en reprenant, donc, si je comprends bien, tous les acteurs associatifs, plus ou moins ciblés peut-être, mais sont forcément des acteurs de tiers-lieux, puisque nombreux sont en train de mailler des choses dans leur action proprement dite. Est-ce qu'il faut l'entendre aussi comme ça, donc? Pour la définition, j'étais venu curieux, au fait, surtout pour la définition, parce que en ce qui concerne l'association dont que je représente, effectivement, on travaille par exemple dans le quartier prioritaire ville sur les drones, sur ce genre de choses, par exemple aussi. Voilà.
Justement, sur les tiers-lieux, c'est ça qui est compliqué à définir. Nous, on est plutôt sur, mais ça se regroupe, c'est sur la capacité d'agir, en fait. En gros, comment on redonne, en fait, aux citoyens ou à la personne qui vient dans le lieu une capacité à pouvoir produire quelque chose, à pouvoir participer, alors à la vie du quartier, à la vie de... Voilà, mais en gros, c'est vraiment une capacité d'agir pour nous, et c'est ça qui fait tiers-lieu, plus que le lieu, plus que tous les... Puisque maintenant j'y suis. Alors, sans, je ne suis pas historien, mais néanmoins, dans le projet qu'on souhaite mener, les premiers tiers-lieux, c'était avant tout à l'échelle de la Réunion, historiquement. C'était les premiers marrons qui sont partis et qui ont su créer des espaces de rencontres et de lieux qui sont tiers, justement. Et dans leur combat pour la liberté, ils ont su aussi aménager les territoires tout en économie circulaire dans les tiers-lieux où ils ont habité. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, de manière plus récente, pour nous, les tiers-lieux, c'est avant tout les petites boutiques chinoises, les kiosques où les gens ont envie de se rencontrer, des jeunes qui ont envie de discuter, des jeunes fumeurs ou pas d'ailleurs. Ça peut être aussi dans les fonds de ravines. On en a beaucoup parlé lors de l'aménagement des territoires, avec les ateliers de Sergi en particulier, hein, sur cette question de tiers-lieux qui font sens avec l'histoire de la Réunion, l'identité réunionnaise, mais pas que d'ailleurs, puisqu'il y a aussi toutes les populations autour. Merci. Je ne vais pas apporter de réponse à votre question parce que je crois qu'il n'y en a pas. Et je vais juste vous proposer une interrogation. Essayez de traduire tiers-lieu en anglais. On a essayé avec Elena tout à l'heure. Si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Un problème polysémique. Merci Jean-Philippe. Pour les tiers-lieux qui sont présents en fait pour l'inclusion et l'accueil du public, je pense que les portes sont ouvertes, mais comment ça se passe chez vous? Qui peut venir? Comment? Pour ceux qui veulent répondre. Hein, donc, en tant que Fab Manager, donc je m'occupe de Fab Lab. Au niveau de l'inclusion numérique, on accueille des publics complètement différents. Donc, ça va vraiment de la personne lambda qui a envie de créer, prototyper, vraiment à titre de loisir. Donc, certains, ça va être dans un but professionnel, en fait, dans la création d'entreprise. Ça va être aussi dans le cadre scolaire, donc le travail ou les conventions avec les écoles. Et aussi au niveau professionnel, ça peut être des entreprises qui ont des besoins spécifiques, ça peut être de la conception de pièces sur mesure qui n'existe pas ou qui n'existe plus en fait. Donc ça permet de s'adapter aussi. Donc au niveau du public, on a vraiment de tout le monde et il n'y a vraiment pas d'âge en fait pour accueillir des gens dans ce type de tiers-lieu en fait. Moi, je parle dans mon cas. Après, les tiers-lieux, ils sont tous différents et ont différents types d'activités, en fait, qui vont attirer vraiment un petit peu toute génération et tout type de population. Et vous aurez une belle illustration, peut-être tout à l'heure, après la table ronde, à travers ces dames, justement, qui sont au fond. Et je vous invite vivement de vivre et de voir ce que c'est qu'un tiers-lieu, par exemple. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense qu'un des éléments, et peut-être aussi pour illustrer la difficulté de définir ce que c'est qu'un tiers-lieu, je pense qu'un des facteurs clés de l'interrogation, c'est le modèle économique. C'est-à-dire que c'est fondamentalement en fonction du modèle économique que vous donnez ou que vous assignez au tiers-lieu que derrière se construit et se structure le tiers-lieu. Il y a une part évidente de financement public pour un certain nombre d'actions. Vous en parliez, par exemple, autour de l'inclusion et autres. Et puis, il y a toute une part qui est indispensable, parce que sinon, on n'est pas sur un tiers-lieu, hein, de financement privé, qui est généré par des prestations de services, le fait effectivement de proposer à des entreprises de réaliser des pièces sur mesure pour elles, que a priori vous devez facturer, en tout cas je l'espère, et d'autres modèles de ce type. Et en fait, tout dépend du coup de, dans l'écosystème dans lequel vous êtes, ce que vous construisez en fait comme modèle économique
pour amener du coup à ce que le service, entendu en termes de service d'intérêt général, hein, mais le service qui est proposé à la population et à l'écosystème avec lequel vous êtes en interaction, serve à quelque chose. Donc, du coup, effectivement, les modèles varient en fonction de ce qui correspond aux besoins et à votre capacité de répondre aux attentes. Oui, juste, je rebondis. Je ne me suis pas précisé, mais CAE Prism, donc c'est une coopérative qui gère en fait le réseau de la médiation numérique en Drôme. Donc, on gère une 45 espaces. Et donc, quand on parle de... on arrive à séparer aujourd'hui les tiers-lieux des tiers-lieux d'inclusion numérique. Donc, ça fait aussi qu'aujourd'hui, le message n'est pas forcément très clair, même pour les politiques et pour les collectivités, pour s'y reconnaître, qui fait de l'inclusion, qui est coworking, espace de coworking, qui est Fab Lab. Donc, il y a aujourd'hui aussi un nombre de définitions qui correspond au modèle économique aussi, mais aujourd'hui, en fait, la définition des services rendus par ces lieux est tellement hybride que ça devient compliqué de les définir et que, voilà, aujourd'hui, on arrive dans des limites, mais nous, sur les 40 espaces, il y a des espaces publics, il y a des médiathèques, il y a des gens qui sont des associations, il y a des Fab Labs, il y a des coopératives qui participent. Enfin, voilà, chaque personne est très, très différente et trouver une unité ou gérer un réseau ou avoir un message commun, ça devient pratiquement impossible, en fait. Donc, c'est des vraies limites, en tout cas. Oui, alors, on a toujours envie de mettre les choses dans des cases. Hein. Donc, on doit définir les choses, qu'est-ce qui est quoi. Sauf que les tiers-lieux, justement, se sont créés en dehors de tout cadre. Ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une association. C'est juste des savoir-faire qui sont au même endroit et qui répondent à des besoins. Et à partir de là, il y a eu des tiers-lieux qui ont germé. Et le gouvernement... voyant ça, a dit bon, ils font ensemble pour mieux vivre ensemble. C'est un terme très un peu philosophique, hein, mais il y a bien un écosystème, hein, c'est ce que disait le représentant, le secrétaire général, délégué général de la CPME. Et c'est vrai qu'il faut relier ça à un écosystème qui fonctionne. Hein, et qui arrive à avoir, que ses besoins soient compensés par des services payants. Donc c'était évident que ce n'est pas toujours évident, mais il y a donc des besoins, des savoir-faire, il faut arriver à rendre ça, rentable, viable. Alors souvent, les tiers-lieux se mettent sur l'inclusion numérique parce qu'il y a des subventions, évidemment. C'est un petit peu l'objectif. Pourquoi pas ? C'est très bien aussi. Hein. Mais on pourrait dire qu'il y a autant de tiers-lieux que de savoir-faire presque. Hein. Simplement, une personne seule avec son savoir-faire aura moins, ne constituera pas cet écosystème. Voilà. Et si vous souhaitez, ce qu'on pourra faire peut-être, c'est essayer d'aborder de manière plus pragmatique et d'arrêter de parler philosophiquement, puisque c'est ce que je suis en train de faire là, d'essayer d'aborder de manière pragmatique comment un tiers-lieu peut fonctionner, déjà. Est-ce que les entreprises peuvent intégrer la démarche du tiers-lieu ? Parce que pour l'instant, on dirait que ce n'est pas trop le cas. C'est le but du jeu. Comment les pouvoirs publics peuvent soutenir, puisque pour l'instant, ils soutiennent surtout de l'inclusion ou les Fab Labs, voilà. Lorsqu'il y a une fabrication derrière. Comment est-ce qu'on peut arriver à mettre le doigt là-dessus de manière très pragmatique ? Voilà, c'est ce que je vous propose. Mais moi, je propose et ensuite, vous disposez. Je vais répondre à ton interrogation sur ce que j'avais noté, c'est quelle place pour les entreprises dans les tiers-lieux. Et très concrètement, il y a au minimum... trois enjeux pour les entreprises par rapport au tiers-lieu. Un premier qui est évident, parce que c'est celui qu'on voit immédiatement, c'est celui des espaces de coworking. Beaucoup de tiers-lieux se sont constitués autour de ces problématiques de coworking. Et le fait que le télétravail continue à perdurer aujourd'hui, très concrètement, avoir des espaces de coworking offre des solutions, des alternatives à la qualité ou à la capacité pour les entreprises effectivement de pouvoir travailler hors les murs. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, vous parliez des Fab Labs.
et de tout ce qui est imprimante 3D et autres, c'est un besoin pour les entreprises. On a des adhérents chez nous, je sais pas, pour ceux qui connaissent par exemple Future 3D, Laurent Yutsin, qui fait aujourd'hui, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui fait de la 3D, qui fait de l'impression 3D, qui travaille aujourd'hui en B2B ou en B2C pour fabriquer des pièces à destination des entreprises. Et aujourd'hui, eux, ils souhaitent s'ouvrir également par rapport à de la conception, par rapport à du prototypage et autres, à des structures de type Fab Lab pour augmenter en fait la capacité qu'ils peuvent avoir et peut-être trouver de nouveaux collaborateurs et autres. Donc, on a des besoins, il y a des perspectives de développement. Et puis, troisième point, c'est très concrètement aussi un espace où on peut travailler par rapport aux enjeux d'inclusion numérique à former nos collaborateurs. Il y a un défi considérable aujourd'hui de formation des collaborateurs, mais à tous les niveaux, hein, sur le demain, quand on sait que, a priori, on nous annonce que 50% des métiers qui existeront dans les 10 ans qui viennent n'existent pas encore aujourd'hui. Qui aurait pensé il y a 10 ans que le métier de pilote de drone, bah, ce serait un truc dont on ferait des formations, quoi. Et y en a des comme ça. Et très concrètement, en fait, pour nous, être présents dans des tiers-lieux, c'est aussi être en capacité d'être connecté à cette réalité de demain et de pouvoir y trouver des collaborateurs, de pouvoir y trouver des idées, de pouvoir y trouver la capacité à faire ensemble des choses, des innovations, des projets. Je rajoute autre chose. Vous avez par exemple, on essaye, en voyant l'intérêt des tiers-lieux et la dynamique qui se crée, on essaye maintenant d'utiliser les tiers-lieux pour d'autres choses. Donc, il y a déjà les entreprises comme ça. Mais par exemple, on a une subvention qu'on a reçue de la DGE de 1,2 million, je crois, qu'on donne au conseil régional pour qu'il le donne aux tiers-lieux, pour que les tiers-lieux se forment à accueillir des organismes de formation. Voilà, on rajoute une couche sur le tiers-lieu. On dit, vous faites plein de choses, mais on va essayer de vous rentabiliser votre écosystème pour que le reste fonctionne plus facilement, peut-être. Et vous pouvez, si vous le voulez, accueillir, c'est pour ça que j'y ai pensé, hein, parce qu'on a parlé de formation, accueillir des organismes. Et donc, on vous donne de l'argent pour que vous mettiez en place les ordinateurs. Voilà. Donc, nous avons mis à disposition de la région ces crédits. La région a accepté, donc c'est 1,2 million. Elle se met en relation avec les réseaux des tiers-lieux, entre autres. Hein, et donc, ce programme s'appelle, je vous le dis pour que vous le sachiez, DEF Innov. Voilà, c'est un programme qui a cet objectif. Bonjour, Loïc Imar, excusez-moi. Loïc Imar, donc, en tant qu'acteur de l'inclusion numérique à Emergence OI, justement, si je peux apporter ma définition du tiers-lieu, je pense que c'est essentiel de parler justement que c'est le troisième lieu, on pourrait dire. Donc le premier lieu étant la maison, le deuxième étant l'entreprise où vous travaillez, et le troisième lieu, tout simplement, ce tiers-lieu, cette idée où on va essayer de rassembler les gens, où on va pouvoir créer des rencontres, un lieu de rencontre entre les entreprises justement et le public, tout simplement afin de pouvoir les amener à rencontrer du monde et à développer des projets ou à développer des idées, tout simplement. Donc je pense que si je pourrais apporter une définition du tiers-lieu, c'est tout simplement justement le troisième lieu qui vient après la maison et après le travail, en fait. Voilà, c'est tout simple. Voilà, bon. Vision. Merci. Du coup, je reviens un petit peu sur les réflexions qui ont été faites sur les modèles économiques qui sont le plus complexe, finalement, parce qu'ouvrir un endroit et puis il faut le maintenir. Et on est sur cette problématique économique. Alors déjà, je trouve qu'il manque de réseautage. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'il y a des informations qui ne circulent pas. Ce dont vous parliez au niveau financier, nous, on a un tiers-lieu qui a 6 ans d'âge. Alors, c'était un modèle économique à la fois tiers-lieu et du coup Fab Lab et puis club. Parce que du coup, on ne peut pas être un tiers-lieu à 100% à la semaine. Ce n'est pas viable économiquement. Donc, je rejoins un petit peu les réflexions des collègues. Donc, on a une partie open source, on va dire, plutôt en soirée. On a une partie dédiée aux enfants et à la jeunesse. Et je suis étonné qu'à ce séminaire, l'éducation nationale n'ait pas été invitée. Parce qu'il y a un service qui s'appelle service DAN. Aussi, parce qu'il y a eu des invités et des absents. Alors, ils ont peut-être, c'est dommage qu'ils n'étaient pas présents, parce qu'il y a un très gros service sur le numérique au rectorat.
Et à côté de ça, on est aussi sur la partie vraiment Fab Lab entreprise. On rejoint un petit peu le Fab Lab Solidaire Fab Lab de la Technopole et on est un peu sur le même, on va dire, modèle enfant, atelier, Fab Lab production, entreprise, on va dire prototypage. On est beaucoup sur du prototypage et de la formation aussi. Donc on est centre de formation. Et alors, je suis content d'entendre ça parce qu'on essaie de développer cette partie-là et ce n'est pas évident, même si on est centre de formation. Alors la création du Fab Lab il y a 6 ans maintenant a été 100% formation sur un budget Fondation Orange. Donc c'est la fondation qui nous a aidé à ouvrir ce Fab Lab qui était au départ et qui est un Fab Lab solidaire et avec des partenariats avec la SCHLMR. Ça veut dire qu'on est vraiment partie prenante de la SCHLMR et des bailleurs sociaux. Voilà, on est sur leur territoire. Voilà un peu notre modèle économique. Alors, on s'en sort effectivement parce qu'on a une mise à disposition d'un local. Et vous le notiez tout à l'heure, si on n'a pas cette disposition, ça devient compliqué d'avoir une location, un local à payer tous les mois. C'est très complexe. Voilà. Je souhaitais également apporter autre chose, puisque l'éducation nationale effectivement était absente, mais également aussi des conseils citoyens ou les CAC, enfin conseils d'action citoyenne, anciennement les conseils de secteur, et également aussi des conseils citoyens qui ne sont pas actuellement sur le territoire nord reconstitué, mais ça ne devrait pas tarder, qui sont basés sur des budgets TFPB, taxes foncières, voilà, etc., non payées, et où il y a pas mal de subventions qui sont gérées, enfin pas de subventions, pardon, de finances qui sont qui tournent là-dedans. Et une dernière chose, vous parliez de l'étape de formation, d'organisme de formation. J'avais juste une question. Est-ce que, puisque ce sont des subventions d'État, est-ce qu'il y a une certification Calliope obligatoire? Oui, oui. La DETS, le service de l'État, hein, est chargée de faire le lien avec la région sur cette. Donc le TRTUE. En fait, ça vient de sortir, hein, c'est-à-dire le cahier des charges vient d'être créé. Ça fait un ou deux mois qu'on travaille dessus, la région l'a repris, et le cahier des charges vient de sortir. Donc les tiers-lieux vont avoir la possibilité d'acheter du matériel, de mettre en place pas mal de choses, et après ils vont louer à des organismes de formation. Donc ça fait une rentabilité. Donc voilà, c'est important de voir comment ça fonctionne. Après, vous savez qu'il y a aussi, on soutient des fabriques de territoire. Alors, la Réunion a été particulièrement bien dotée, même si on peut estimer que ce n'est pas assez, parce qu'il y a 6 fabriques de territoire qui ont été... moi, j'aurais bien aimé qu'il y en ait plus. Hein. On a mis plus d'avis favorables hein, en local, hein, mais il y en a 6 qui ont été retenus sur peut-être je sais pas, une dizaine de demandes. Et une manufacture de proximité aussi, également. Donc il y a une fabrique numérique du territoire qui a reçu 150 000 euros, puis 50 000 euros par an. Et il y a des fabriques de territoire qu'on aide à 50 000 euros par an. Et qu'on continue d'aider. Voilà. Donc ça, c'est déjà ça. Elles sont aidées pas juste pour le plaisir d'aider. Elles sont aidées parce que vraiment, il y a du travail derrière. Et nous, au niveau de la préfecture... On a souhaité aider, mais à 80% quand même, hein, la production. Donc on a aidé une société dont vous parliez tout à l'heure, la production d'outils pour les tiers-lieux. C'est des outils, c'est un porte-monnaie électronique. Il faudra peut-être que vous disiez un peu tout ce qu'il y a hein, derrière. Donc on les a aidés, ça a été quand même une somme assez conséquente, mais le résultat a l'air d'être assez bon. Même si je ne travaille pas dans un tiers-lieu. Et ces outils sont donc à disposition, puisqu'ils ont été soutenus à 80% par l'État, hein, ils sont à disposition des tiers-lieux maintenant. Et je pense que ça vaut le coup, puisque vous nous expliquiez un peu, si vous les avez tous en tête, hein, les outils que vous avez développés. Juste, moi, je voulais rebondir. En fait, sur le modèle économique, on est un peu à une transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... les tiers-lieux sont nés hors de toute aide publique. C'est des collectifs qui se sont regroupés, qui ont été en capacité d'innover. Du coup, aujourd'hui, on va dire d'attirer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont au cœur de plein de dispositifs.
Et en fait, là, quand on parle de financement ou d'appui des entreprises, c'est qu'on se heurte en fait à des chocs philosophiques hyper forts. C'est-à-dire, en gros, il y a des associations, les entreprises travaillent avec des associations, je pense notamment à un CAN ou à un Fab Lab qui est en train de travailler sur une filière de reconditionnement du plastique et qui récupère le plastique des entreprises pour le recycler et faire des meubles avec. Aujourd'hui, les entreprises sont très intéressées pour participer, mais le fait qu'ils soient en association, ils savent pas comment parler avec eux en fait. En gros, donc aujourd'hui, on est vraiment dans, quand on parle de modèle économique, de financement croisé, il y a le modèle de subvention qui est une chose, mais si on veut attirer des entreprises, les faire participer, ça devient compliqué quand on est associatif de pouvoir trouver des marchés en fait ou pouvoir s'associer avec des entreprises. Donc je trouve que là en fait c'est hyper intéressant parce qu'on est vraiment dans une nouvelle manière de travailler ensemble entre le collectif, le privé, l'associatif. Enfin voilà, il y a vraiment un vrai chemin à faire pour trouver la bonne forme en fait et travailler dans un climat serein en fait et que tout le monde soit rassuré. Ouais, et ça participe aussi de la réflexion sur le modèle économique puisque d'ailleurs on parle de l'événement, c'est quand même numérique en commun et donc de la production d'outils en commun, de la mise en commun, et du coup ça participe du modèle économique parce que on fait forcément des économies si on investit tous sur des outils libres, open source, qui vont être utiles à tous, co-construits, et en fait qui se développent avec vraiment les usages et l'innovation qui est inhérente à cette dynamique de tiers-lieux. Et donc, en tant que membre de la réunion des tiers-lieux et également producteur d'outils, nous réfléchissons à mettre en place des outils dans un premier temps pour faire réseau en tiers-lieu, donc avec tout un système de repérage, de référencement des acteurs à travers des cartographies, mais également à travers la caractérisation et la connaissance du maillage des tiers-lieux sur un territoire donné, et vraiment avoir un standard pour décrire les tiers-lieux à un niveau local pour pouvoir après observer, donc valoriser de manière graphique et facile de voir quelle est la richesse et la dynamique des tiers-lieux sur un territoire. Donc ça, c'est vraiment des outils de visualisation. Puis après, donc pour faire réseau, donc ce sont des outils collaboratifs qui visent à faire état des projets qui sont menés dans tous ces tiers-lieux, etc. Et puis après, il y a un deuxième aspect, c'est des outils pour faire tiers-lieux. Là, c'est vraiment au sein des lieux et vraiment la dynamique au plus proche des usagers des tiers-lieux, avec notamment, on expérimente vraiment avec les acteurs locaux, notamment la... J'ai en tête par exemple à la raffinerie, il y avait donc un tiers-lieu dans le quartier de Savannah à Saint-Paul qui avait une problématique et une volonté en tout cas de vraiment valoriser l'investissement de ses usagers lors de chantiers participatifs parce que c'est une ancienne friche industrielle, une ancienne raffinerie, une sucrerie. Et du coup, il y avait une volonté de valoriser l'investissement des bénévoles. Et donc, on a créé une monnaie temps à travers des outils numériques qui sont communs, qui sont basés sur une technologie open source, qui a vraiment vocation à valoriser ça. Donc, tout un tas d'outils comme ça sur de l'innovation d'usage en fait et qui est vraiment inhérent encore une fois au tiers-lieu sur ces innovations, comment on fait pour valoriser, comment on fait pour comptabiliser, voilà. Et ça participe aussi de l'inclusion numérique, ça rejoint puisque en fait finalement c'est les acteurs eux-mêmes, les usagers, les habitants sont dans cette demande-là d'être valorisés. Si je veux être valorisé, eh bien, faut s'inscrire, faut se familiariser avec les outils. Je veux m'investir, je m'inscris sur le chantier participatif du mercredi, avec tout un accompagnement au quotidien. Donc, en fait, l'inclusion numérique, il est aussi sur les besoins de valorisation et pas que sur des entrées très compétences primaires sur la maîtrise d'un tableur, du traitement texte et tout. C'est aussi vivre en tiers-lieu.
Oui, je souhaiterais rebondir sur ce qui a été dit. Je crois que c'est toi qui as parlé de la TFPB, hein, mais sans vouloir généraliser, mais c'est quand même bien la volonté de faire en sorte, justement, avec nos terres arables qui sont limitées, on ne peut pas reconstruire des espaces pour faire des tiers-lieux. C'est un peu du non-sens. Mais néanmoins, ça permet justement dans ces quartiers de pouvoir, aux côtés des habitants, créer des espaces tiers-lieux et non pas des zones enfermées, encerclées, qui ne correspondent pas ni aux habitudes des locaux, ni aussi aux volontés de ces locaux et qui ne viennent pas dans ces tiers-lieux. Donc l'idée, ce n'est pas opposer, bien évidemment. Il faut bien entendre ce que je dis. Mais néanmoins, c'est un levier parce qu'on n'utilise pas assez ces LCR, ce qu'on appelle les LCR, les locaux communs résidentiels, qui doivent servir dans l'intérêt des habitants et en particulier dans les QPV, mais pas que, parce qu'on a aussi, même s'ils ne sont pas éligibles à la TFPB, les quartiers à mi-pente, qui sont hors QPV, peuvent bénéficier d'autres types de financement. Donc ça, ça permet déjà d'apporter un élément sur la question de la location, par exemple, puisque ce sont des locaux mis à disposition dans le cadre de conventions avec les bailleurs sociaux en lien avec les municipalités, pas toujours, mais quelquefois. Et puis ça permet aussi de dire, finalement, quand on crée quelque chose là où les gens habitent, eh bien, ça permet aussi, on a des initiatives comme ça, où tout simplement, en pied d'immeuble, on a commencé, je dis on, c'est pas je, c'est bien on, l'ensemble des partenaires, eh bien, commencer à initier, justement, et on a constaté qu'il y en a un qui était réparateur de vélo, bah, du coup, il a créé son entreprise de vélo assistance électrique, et maintenant, il fait la reconversion. Et c'est un habitant du quartier et qui est en pied d'immeuble. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec la population de ce quartier-là pour dire qu'au lieu de prendre son vélo, aller ailleurs, ou de faire la reconversion en vélo assistance électrique dans un autre quartier, une autre ville, sur le littoral, et engorger encore une fois le coma circulatoire, eh bien, dans son espace, dans son quartier, ça existe. C'est déjà ça, en fait. Ce n'est pas la peine de faire de très grands projets. Juste pour rebondir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, ne pas négliger, au-delà du côté réglementaire, la puissance du RSE, de la RSE, puisque beaucoup d'entreprises, même si elles avancent timidement et qu'elles sont souvent contraintes par la réglementation, mais il y en a quand même certaines, localement, qui initient et qui souhaitent véritablement enclencher le pas, timidement, encore une fois, je répète, mais ce sont aussi des leviers pour actionner justement la problématique financière. Ça ne va pas résoudre ni la LCR, ni la RSE, mais ce sont déjà des éléments qui peuvent répondre à ces problématiques d'équilibre, notamment en matière de modèles économiques hybrides. Économie sociale et solidaire, économie circulaire, et le troisième, économie de la fonctionnalité, de la coopération avec l'ensemble des îles de l'océan Indien. Merci. Merci. Je voulais aussi rebondir sur tes propos. On a un partenaire qui est l'exemple même que ce genre de lieu marche, c'est l'Académie Camélia internationale, qui est justement dans un quartier qui est un vrai lieu de vie où les jeunes peuvent jouer au foot, faire du sport, de la musique, de beaucoup d'activités, mais aussi en lien aussi avec de l'international. Quand on a vu le fonctionnement de l'Académie des Caméliens, on s'est posé des questions. On a remarqué beaucoup de changements dans les usages des jeunes qui ne viennent pas forcément s'informer dans nos locaux, mais plutôt l'inverse, qu'il faut aller vers les jeunes dans les quartiers à leur rencontre. Ça nous a poussé la réflexion, comment rendre nos locaux plus attractifs ou comment nous rendre justement dans ces quartiers. Et là, j'ouvre la porte aux personnes qui ont des tiers-lieux et qui souhaitent en ouvrir. N'hésitez pas à nous contacter. Nous, ce serait avec grand plaisir qu'on viendrait informer les jeunes et les différentes personnes de votre public. Très intéressant les différents sujets, Olivier Bénard. On a travaillé sur le pacte il n'y a pas très longtemps avec Emergence Oui et d'autres dirigeants d'entreprises. Et je trouve ça un peu dommage aujourd'hui qu'ils ne soient pas présents. Je sais qu'on a la préfecture qui est présente, mais ça aurait été intéressant aussi quand on parle de tiers-lieux et d'inclusion, on ne parle pas que des quartiers prioritaires. Mais ce qui avait été remonté par rapport au pacte, c'est que les entreprises n'arrivaient pas à savoir où étaient les zones prioritaires, comment intervenir avec les associations. Et là, à nouveau, il n'y a pas eu ce lien. Est-ce que après cette table ronde, il y a des actions qui vont être concrètes pour aller travailler main dans la main avec les entreprises, pour travailler sur l'insertion des jeunes réellement, pas justement avoir un côté une MEDNUM, de l'autre côté un pacte, et pas avoir de lien.
je ne répondrai pas pour toutes les entreprises, mais je répondrai oui. Juste une chose. Parmi les demandeurs d'emploi aujourd'hui, il y a 20% de jeunes et 20% de seniors. Il n'y a pas un seul dispositif pour accompagner les seniors. Donc, nous, notre préoccupation, quand je dis nous, c'est nous à la CPME, hein, notre préoccupation pour 2023, c'est de nous dire que l'apprentissage, c'est bien, mais ça ne vise que les jeunes. Et il faudrait peut-être qu'on trouve aussi des voies et des moyens pour favoriser l'inclusion des seniors. Les seniors, c'est plus de 50 ans. Hein. C'est-à-dire, grosso modo, vu les dates qu'on nous donne pour l'âge de départ à la retraite, à 50 ans, tu as encore 15 ans de vie de travail devant toi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ces seniors, en fait, qui sont demandeurs d'emploi de longue durée. Enfin, chômeurs de longue durée. Et il y a un vrai défi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, dans nos politiques d'inclusion, et donc dans la perception qu'on a, nous, de l'engagement sociétal qu'on veut avoir et qu'on souhaite avoir, on a une vraie réflexion sur l'inclusion, en fait, ne doit pas viser que les jeunes. Et dans les dynamiques qui se mettent en place, par rapport au digital, mais plus globalement, en fait, par rapport à tout ce qui est en lien avec des outils de type imprimante 3D et autres, il y a un défi que de faire que les seniors s'approprient aussi ces technologies. Et ça, très concrètement, en fait, on n'a pas beaucoup d'outils aujourd'hui. Quand tu es senior, en fait, ben, y a pas de contrat d'apprentissage pour toi. Il n'y a pas de contrat PEC. Il n'y a pas de plan un jeune, une solution. Le truc aujourd'hui, il n'y a pas de plan un vieux, une solution. Et pourtant, il y a autant de vieux au chômage que de jeunes. Donc, voilà. C'est une problématique qu'il y a, mais juste en même temps, je vais ajouter un petit point sur ce qu'il disait. Le problème qu'on a remarqué quand on était au pacte, c'est que les RH n'ont pas une bonne connaissance du territoire et des problématiques du territoire. Elles te disent, on n'arrive pas à attirer de personnes et on n'a pas compris que le territoire a beaucoup de personnes en situation d'illettrisme, d'électronisme ou éloignées de l'emploi qui sont dans les hauts. Elles n'avaient même pas encore cette notion. Donc il y a vraiment un travail d'accompagnement à faire avec les associations et que ça ne soit pas juste du clientélisme lors d'un pacte, mais réellement un échange. Et après, je te laisse, Léo, continuer. Merci. Juste, je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Philippe. Oui, il y a aussi quelques alternatives. Je ne suis pas là pour donner des leçons ou d'apporter des solutions. On est là pour ensemble co-construire, hein, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais effectivement, il y a des alternatives pour les seniors aussi. Par exemple, pour certains qui sont, on va dire, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, qui est employé par certains partenaires, notamment Pôle emploi, sur l'employabilité, eh bien, on a aussi l'alternative des contrats d'apprentissage pour les seniors dans le cadre de la création d'activités, en lien avec le R+, du département et de la CAF. Et ça commence à fonctionner. C'est pas, on ne peut pas dire que c'est une réussite, mais timidement, on a quelques exemples, ce n'est pas significatif, mais qui montrent qu'après, il y a un accompagnement qui est beaucoup plus long. Ça, c'est certain, qui n'est pas forcément ni valorisé ni financé. Mais c'est important qu'on prenne ce temps-là aussi pour justement que ces seniors puissent aussi reprendre le levier et actionner le levier de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Voilà. Et juste aussi pour terminer, après, je te passe le micro. De quoi parle-t-on? On parle finalement des 4 I. Illettrisme, électronisme, innumérisme et itinérance. Donc ces 4 I, donc il y en a 3 qui creusent davantage les inégalités sociales. On avait déjà l'illettrisme, qu'on n'a pas su surmonter, et là on est en train de trouver des solutions, alors que la première n'est toujours pas acquise. Donc l'idée c'est de travailler parallèlement avec ces 3 autres fléaux du numérique. Je dis fléau parce que là je parle surtout quelque part au nom des 42% de la population réunionnaise qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et qui la corollaire, pas toujours, et celle aussi de ces 4 problématiques-là. Donc, de quoi parle-t-on? Tout à l'heure, monsieur disait, problème d'information, 4 réseaux de tiers-lieux à La Réunion, 143 sites, 4 réseaux de tiers-lieux qui ne se connaissent pas entre eux, qui se chamaillent. On est bien dans l'enfantillage, c'est pour ça que je dis chamaille. Donc, il faut aussi, quand on dit on veut du concret, il faut aussi revoir peut-être les vraies problématiques. Si on ne se connaît pas, comment voulez-vous qu'on crée un tiers-lieu? Ça, c'est très important. Juste pour terminer encore une fois, on a aussi, désolé, hein, Elena, tu m'as dit de venir à table, je viens, donc je suis un peu bavard comme tu sais,
Et il y a effectivement, dans le pacte, on a proposé 40 mesures à la région pour changer la société réunionnaise. Et il y en a une qui s'appelle la mesure 15, je ne vais pas vous les citer toutes, et qui comporte justement l'engagement de la région à nous accompagner, nous, citoyens, pour développer les tiers-lieux, les écolieux, les écovillages, ou tous types de lieux qui correspondent justement à ce monde qu'on veut pour demain. À la fois en intégrant ce que disait Jean-Philippe, hein, donc les jeunes, mais aussi les seniors. Parce qu'une société dans laquelle un tiers-lieu, il n'y a pas de seniors, quel sens ça a pour transmettre aux générations? Et qu'est-ce qu'on parle de intergénérationnalité? Quel sens on donne? Tout ça, bien sûr, en lien avec la thématique d'aujourd'hui, sur le volet culturel notamment, et le volet social. Oui, alors c'est intéressant de savoir qu'il y a 4 réseaux de tiers-lieux. Nous, on en soutient un qui a pour ce sont les fabriques de territoire et qui a pour objectif d'aider les tiers-lieux à monter en gamme et à devenir éventuellement des fabriques. On le soutient, c'est chaque année, c'est la deuxième année. Donc ça, je ne savais pas. Je sais que la région a fait une étude sur les tiers-lieux. Bon. Mais il n'y a pas que la région comme collectivité. Normalement, là, les régions, par exemple sur la France métropolitaine, les régions, ce sont celles qui soutiennent les moins les tiers-lieux. Il y a le département, et il y a surtout les EPCI, et encore plus les communes. C'est en fait les acteurs primordiaux en règle générale. Et là, si je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui serait quand même intéressant de voir, c'est... de quelle manière les réseaux de tiers-lieux qu'on soutient, pour vous, seraient susceptibles de... Bon, alors, s'il y a des enfantillages et que les boîtes, les tiers-lieux, bon, ça fait un peu partie de la vie, hein, c'est partout pareil, hein, dans les entreprises, dans le sport, bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais comment les réseaux de tiers-lieux pourraient agir de manière plus performante pour faire monter en gamme ou monter en puissance les tiers-lieux. Voilà, c'est un peu notre objectif. Parce que pour l'instant, ils nous ont fait un plan d'action, qui est un très beau plan d'action. Et de la même façon, puisque j'ai le micro, je dirais comment est-ce qu'on peut faire rentrer les entreprises, puisqu'on parlait des entreprises, faire rentrer les entreprises dans les tiers-lieux. Ça, c'est aussi un plan qui serait très intéressant. Le réseau des tiers-lieux devrait permettre de structurer mieux les tiers-lieux et les entreprises devraient amener... Les tiers-lieux leur apporteraient sûrement une façon de voir différente, mais les entreprises doivent beaucoup apporter aux tiers-lieux parce que c'est des façons différentes de travailler et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Oui, moi, je voulais juste intervenir et... Je me posais des questions sur ce qu'on vient d'entendre. On voit qu'il y a des problèmes de communication, il y a des réseaux, on a l'impression d'une société où il y a des clones et des clones qui ne communiquent pas. Et moi, je me demande s'il ne faudrait pas élaborer une réflexion sur la façon dont on veut construire la ville ou les villages de demain. En Afrique, il y a l'arbre au palabre. Les Romains avaient déjà des forums où on discutait. Aujourd'hui, où on voit la fermeture des cafés dans les villages, je me demande s'il ne faut pas réinventer, en tous les cas, un moyen de communication où, justement, que ce soit les associations, que ce soit les entreprises, les PME, puissent venir peut-être plus facilement, que le vieux puisse plutôt rencontrer le jeune, faire part de ses problèmes. Et je pense que là aussi, en favorisant la communication, la cohésion sociale a besoin d'être, je pense, amélioré. Mais je crois qu'il y a un problème aujourd'hui où on bitume tout, aujourd'hui où on fait tout pour qu'il n'y ait surtout pas de possibilité pour le précaire de s'allonger incomplètement pour dormir sous un abri de bus. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire pour réinventer un endroit où on puisse se rassembler et peut-être faire attention de ne pas transformer le forum physique en forum numérique. Juste pour rebondir aussi, je pense que, enfin, par rapport au sujet,
notamment les tiers-lieux. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment par rapport aux seniors et aux jeunes, s'il y a un endroit où ça se rencontre, où il y a du partage de compétences, où il y a du partage de... C'est bien dans ces lieux-là. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on voit notamment quand on parle de médiation vers les jeunes, dans les quartiers, enfin, il y a plein de choses, mais il y a souvent les seniors sont des personnes qui vont apporter. Enfin, nous, on voit, on est dans les quartiers prioritaires. Et ils s'investissent fortement, donc ils retrouvent aussi un sens. Alors après, il y a la valeur économique des choses et tout ça, ça c'est différent. Mais en tout cas, en termes de sens, je trouve que ces tiers-lieux sont un espace très important. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de modèle éco, il y a quelque chose qui se passe, c'est que, on le disait, c'est qu'il y a énormément d'argent qui arrive sur ces lieux-là. Et à un moment donné, on est dans une logique d'appel à projet, de subvention, donc forcément qu'il y a la guerre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est souvent des personnes et la personne la plus habilitée à répondre qui va pouvoir avoir les projets. Donc il y a un vrai travail à faire de cohésion, de réseau, pour pouvoir justement essayer de répondre de manière intelligente et pas se faire des guerres qui aujourd'hui sont de plus en plus fortes. Et enfin, en métropole, c'est pareil. Hein, je veux dire, c'est très compliqué. Donc du coup, c'est vrai que cet axe-là, en tout cas, de travailler ensemble et d'arriver sur les politiques publiques à avoir des objectifs un peu plus généraux, peut-être, que uniquement financer des lieux différents, c'est un vrai sujet, en tout cas, difficile aujourd'hui. Oui, pour rebondir sur les différents réseaux ou les différentes thématiques de mise en réseau, la dynamique au niveau de la réunion des tiers-lieux, justement sur le fait de vouloir instaurer des lieux de rencontre physique, etc., on s'applique chaque mois à proposer une rencontre, un petit déjeuner très ouvert, où tout le monde est le bienvenu. Donc j'invite les personnes qui ont cette volonté de fédérer à venir y participer. Malheureusement, j'ai pas les dates en tête, mais on pourra les communiquer sur un compte rendu, du coup. Et vraiment, on est dans cette dynamique-là avec quelques principes finalement de base que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire que pour nous, il y a une volonté d'être dans une démarche de mise en commun. Donc c'est un peu le principe sur lequel on n'a vraiment pas envie de déroger, sur le fait de mettre en commun, de soutenir des outils en commun, des outils libres, open source, qui vont faire en sorte que chacun va pouvoir co-construire, les enrichir, les adapter à leurs pratiques, etc. Donc ça, c'est vraiment une base. Et puis aussi, commun des outils, mais commun de la connaissance aussi. C'est-à-dire que l'enjeu... c'est de ne pas faire une étude à un instant T pour qu'elle soit finalement figée dans le temps. C'est qu'on puisse, et c'est la dynamique des outils qu'on met en place, pouvoir avoir une lecture en quasi-temps réel des activités et des tiers-lieux qui sont au sein d'un territoire, au sein de la Réunion. Donc c'est vraiment ces deux principes-là qu'on essaye d'instaurer, et on est bien évidemment tout ouvert à la participation de chacun. Après, je pense que les réseaux, il en existe des tonnes partout, aussi bien à La Réunion qu'en métropole. Il y a toujours eu des réseaux et des sous-réseaux. Et en fait, la problématique, c'est vraiment trouver peut-être vraiment un porteur unique qui permet de rassembler tout le monde. Et ça, c'est compliqué parce que les associations, les structures privées ou publiques, en fait, vont aussi y aller vers ces structures par affinité. Et c'est là où c'est bien le problème. Donc, je ne sais pas si on trouvera la solution un jour. Peut-être qu'on a un début de solution aujourd'hui, mais quelles seraient les idées, justement, pour améliorer ça, ou peut-être essayer de nous rejoindre malgré nos différences, en fait. Je pense que aussi bien le fait qu'on ait eu du mal aussi à définir tout simplement qu'est-ce qu'un tiers-lieu, ça me fait penser un peu au slam de poésie au final, où les personnes qui viennent du théâtre pensent que le slam est plus issu du théâtre, pareil pour le rap, un petit peu tout ça.
À côté, ce qu'on voit aussi avec l'émergence des tiers-lieux, c'est qu'on voit l'émergence de nouveaux modèles aussi. Par exemple, les associations, on en parlait, mais souvent les associations sont limitées dans leur statut juridique et il y a une réflexion justement de se développer dans l'économie sociale et solidaire, par exemple, avec, moi je dis les SKIC, alors, je sais, bon, c'est pas toujours comme, ou les SCOP, voilà, les coopératives. Pareil aussi pour tout ce qui est les bails, par exemple, les baux, pardon. Donc, il y a des nouveaux baux qui se sont créés justement pour accueillir ces lieux. Donc, voilà un petit peu tout ça. Donc, je pense que c'est un nouveau mouvement qui est en effervescence. Il est en train de se construire. Et ce qui est important, c'est de développer des modèles un peu hybrides où finalement on veut être le plus ouvert au plus de personnes possibles, issues de plus de milieux possibles, et que ça reste un espace ouvert d'expression libre, de mutualisation d'outils, de services, de savoir-faire et aussi d'intergénérationnalité et de mixité, de cohésion sociale pour sortir un peu de ce déterminisme social, de sortir de l'autodiscrimination et de pouvoir accompagner les publics qui sont éloignés de l'emploi, les faire se rencontrer avec par exemple des ingénieurs, des start-upers, des chefs d'entreprise, créer un petit peu ces lieux, ces environnements de rencontre et aussi de rendre l'innovation accessible par le biais, par exemple, des Fab Labs et autour de plusieurs thématiques en fonction un petit peu de ses appétences. Par exemple, nous, on travaille autour du handicap, on peut, avec par le biais du Fab Lab, comment créer des aides, des dispositifs pour accélérer l'acquisition d'aides techniques. Voilà, ça peut être aussi dans l'agriculture, et puis chacun finalement arrive un petit peu, et puis on n'a pas forcément des compétences techniques, on peut juste avoir des idées, on peut juste être curieux ou juste avoir envie de mettre la main à la pâte. Mais maintenant c'est sûr, là sur la construction de modèles hybrides, ça va être de comment faire venir les publics éloignés de l'emploi, comment faire venir les entreprises. On parlait de la démarche RSE, je pense que c'est très important parce que c'est un peu à la mode en ce moment, et je pense que les Fab Labs et tiers-lieux peuvent être des lieux vecteur de responsabilité, de promotion de la responsabilité sociétale des entreprises, de la transition écologique aussi. Les gens ont envie de se sentir utiles, ils ont envie de participer à des choses, de co-construire. Donc ça peut être des lieux où on donne aussi cet espace-là de création, par exemple dans la transition énergétique. Voilà, je pense. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Ok, bon, merci d'être venu. D'ailleurs, je rebondis, j'ai rencontré quelqu'un, c'est dommage qu'elle n'est pas là aujourd'hui. On parlait aussi de tiers-lieux dans les hôpitaux aussi, créer des tiers-lieux peut-être dans les hôpitaux pour les familles, dans les plannings familiaux aussi. Donc finalement, on peut décliner des tiers-lieux, et comme on en parlait avec Jean-Philippe la dernière fois, est-ce qu'on ne retrouvait pas aussi cette tendance dans les cases à l'époque où les associations mettaient la main sur ces LCR, tous ces locaux, et finalement on faisait des animations, les gens venaient, voilà, finalement est-ce qu'on ne revient pas à des choses qu'on faisait déjà avant, et on essaye de mettre des nouveaux noms, des nouveaux termes. Voilà, je pense que maintenant, c'est plutôt comment on va réussir à créer ces nouveaux modèles hybrides. On avait pensé aussi un peu au mécénat de compétences, oui. Parce que souvent, on a besoin, en fait, dans ces lieux, on a plein d'idées, on a plein d'envies, mais parfois, on a besoin de gens qui ont des compétences un peu plus techniques. Est-ce que le mécénat de compétences, qui n'est pas vraiment encore trop développé, parce qu'on parle toujours de mécénat, donner de l'argent, mais donner de son temps et de ses compétences, ça peut aussi contribuer à la transition sous toutes ses formes. Et moi, je rebondis encore une fois, donc j'arrête pas de rebondir, parce qu'effectivement, le premier prix de l'économie sociale et solidaire, c'était bien un espace de tiers-lieu pour accueillir les familles, justement, qui sont éloignées suite à une hospitalisation, par exemple. C'était la semaine dernière. Donc voilà. Donc ça montre bien que c'est des espaces, peut-être, qu'on n'imagine pas, et qui sont de vrais tiers-lieux qui manquent à être visibles. Pour rebondir, là on est en train de faire une expérimentation sur la conférence des financeurs. Donc on est en train de, notamment sur l'inclusion numérique, de poser un peu avec l'ensemble des partenaires qui portent des actions sur la Drôme. Là. Donc c'est une expérimentation qui est en train de se faire avec l'État, la NCT, la Caisse des dépôts. C'est de voir tous les dispositifs possibles qui sont faits sur un territoire, qui sont portés par des différentes institutions. Et de mettre en face les usagers pour pouvoir essayer de faire matcher aussi les choses, c'est-à-dire qu'en fait qu'il y ait des politiques qui soient concertées sur un territoire et qu'il n'y ait pas plein de dispositifs qui s'additionnent les uns aux autres pour les mêmes publics qui ne s'y retrouvent pas. Donc l'idée un peu c'est de travailler sur 3-4 mois là,
et de définir un peu les services essentiels et au moins de concerter sur tous les dispositifs possibles, parce qu'il y a de quoi, il y a énormément de choses à faire, mais après il faut s'y retrouver, et même pour les espaces, ce n'est pas facile. Donc du coup, il y a la volonté de faire un peu comme il y avait une conférence des financeurs pour la mobilité, pour les personnes à mobilité réduite, d'aller sur une conférence des financeurs sur la médiation numérique en général. Donc c'est une expérimentation qui est portée par l'État et sur laquelle on est tête de pont là-dessus. Donc voilà, ça peut être aussi une des pistes du modèle économique, et les entreprises sont associées dans cette démarche-là. On parlait aussi pas mal des subventions, et je pense que on a tous aussi à cœur quelque part de sortir peut-être du tout subvention et justement de trouver des modèles alternatifs. Encore une fois, bon, le statut juridique, voilà, est une question qu'il fallait aborder, mais aussi comment développer son propre modèle économique et quel est développer en fait la diversité de services qu'on peut proposer. Donc, et c'est là justement aussi où plein de choses se développent au sein de plein de tiers-lieux. Je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Mais par exemple, un modèle où, donc ça c'est dans le cadre des manufactures, je crois que c'est ici Morvan, quelque chose comme ça. Et donc lui, son modèle alternatif, c'est de proposer à la commune de réaliser certaines prestations pour la ville. Donc fabriquer des bancs ou des choses comme ça. Et donc ça lui assure aussi une plus-value. Ça assure aussi de l'emploi pour les personnes qui travaillent ou qui sont porteurs de projets dans cette manufacture ou qui est un tiers-lieu aussi. Donc voilà, c'est aussi décentraliser un petit peu les services et faire en sorte que les associations ou les gens du territoire puissent aussi contribuer. Et tout ça, ça permet aussi de créer des nouveaux services, des nouveaux emplois. Donc repenser un peu, trouver des nouvelles idées de modèles alternatif. On parlait aussi d'inclusion numérique, certes, c'est le sujet. Mais il ne faut pas oublier, mais je crois que c'est lors d'un autre atelier, me semble-t-il, sur les personnes porteuses de handicap. On travaille en ce moment avec une prestataire, c'est une femme, à l'échelle d'un quartier, notamment à mi-pente, pour analyser un petit peu la problématique de déplacement des personnes porteuses de handicap, quand on sait que dans les hauts, ben, y a les ravines, y a pas de trottoir, il n'y a pas d'accessibilité, et comment accéder à ces espaces tiers-lieux. Donc, ne pas les oublier, mais je ne vais pas m'étendre, parce que je crois qu'il y a un autre atelier sur ce sujet-là, parce qu'on parlait des seniors, on a promis des seniors en termes d'emploi sur ces espaces-là, mais aussi les personnes porteuses de handicap. Merci. Pour rebondir un petit peu sur les modèles économiques, Solidarnum, c'est pas seulement un Fab Lab. Hein. Donc, nous, on essaye de faire l'inclusion numérique au sens large. On est, par exemple, un organisme de formation, et pour nos formations, on essaye de chercher aussi à faire participer les entreprises qui nous aident à financer les formations, même si on a encore des subventions publiques, avec le Pôle emploi aussi qui nous aide sur ces formations. Vous pourrez découvrir justement la création des femmes qui font partie de cette formation et qui sont de tout âge aussi, et avec l'idée de les pousser vers l'entrepreneuriat. Donc après, au niveau des tiers-lieux, on ne peut pas faire qu'un truc comme un seul Fab Lab, ça serait pas rentable, hein. Totalement, c'est clair. Donc on fait aussi la prestation de services, on fabrique des objets pour des entreprises. Encore une activité en plus. Donc formation, Fab Lab, donc l'accueil des adhérents. Et j'en passe, on a aussi un camion itinérant. Bon, là, on est bien aidé aussi par l'État, que vous avez pu apercevoir dehors, en fait, qui se rapproche au plus près des gens pour les aider dans les démarches administratives et aussi des équipements Fab Lab, justement, pour se rapprocher de ces personnes qu'on n'arrive pas à atteindre, en fait, aussi, hein, qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de se déplacer, surtout quand ils habitent dans les hauts ou qui sont dans les zones QPV, qui n'ont pas forcément les moyens, en fait. Donc ça, c'est une autre piste encore à exploiter. Donc après, il existe, je pense, pas mal de dispositifs qui permettent de financer justement peut-être de l'aide ou de l'accompagnement. On parlait aux personnes seniors, mais aussi à nos jeunes, en fait. Donc, je pense que les moyens existent. Après, les généraliser et les appliquer à toutes les structures, ça, c'est une autre problématique encore. Donc, je voulais rebondir aussi à une question qui a été posée tout à l'heure. Pour avoir des subventions de l'État pour les formations, donc payées et financées par le Pôle emploi, il faut bien être calé au pied, en fait.
Quelqu'un veut rebondir ? Non, pas moi. Ici. Non, je ne vais pas rebondir parce que c'est bon. Je pense que là, tout le monde a rebondi sur tous les sujets. Donc, Vincent Payette, je suis aujourd'hui responsable projet dans une collectivité en charge du numérique, du SI, bref, tout ce qui est projet de développement d'un territoire. Et en fait, tous les éléments d'un tiers, c'est clairement compliqué de définir un tiers-lieu parce que, vous l'avez dit, chaque tiers-lieu a sa spécificité, a sa particularité et chacun apporte un service à son territoire. Donc, difficile de mettre dans une case, comme disait Jean-Jacques là-dessus, c'est qu'on c'est pas le but et on n'y arrivera pas. Et je ne pense pas que c'est l'état d'esprit d'un tiers-lieu. Par contre, ce qui manque, et par rapport à tous les témoignages, c'est nous à Brapanon, c'est qu'on souhaitait justement mettre en place un tiers-lieu, soit en tant que collectivité ou accompagner une association. Mais on se retrouve à une problématique, c'est qu'on n'a pas de point d'information. C'est avec le, aujourd'hui, il n'y a pas un guichet. C'est-à-dire que toutes les collectivités, tous les organismes en fait accompagneraient les tiers-lieux. Mais il faut aller frapper à toutes les portes. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être à creuser là-dessus, peut-être que ça existe, hein, à avoir une porte d'entrée pour les porteurs de projets de tiers-lieux, sur lesquels on peut les accompagner de A jusqu'à Z. Les appels à projets sont intéressants, sauf que ça va être appel à projets sur, je dis pas, sur l'inclusion numérique. Sauf que moi, peut-être que je ne fais pas de l'inclusion numérique, peut-être que je suis plutôt sur la culture et sur un autre sujet. Mais j'ai un tiers-lieu. Je suis peut-être sur l'open source, je ne suis pas sur l'inclusion numérique. Ou demain, il y en a pas la projet sur la culture, mais je ne suis pas sur la culture, je suis sur l'open source. Et c'est de voir, je n'ai pas la solution, hein, je partage avec vous librement là-dessus, comme je vous dis, je ne sais pas si cela existe, mais c'est peut-être d'avoir ce point d'entrée, un point d'entrée, pour accompagner le tiers-lieu, qui est un lieu de liberté. On l'a dit, vous l'avez tous dit, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de création, un lieu de transmission. Il y a aussi, c'est un lieu de découverte aussi, et un lieu d'innovation. Donc, là-dessus, de trouver le bon dispositif, si je suis une association ou si je suis un porteur de projet, ben, moi, Michel, t'as eu bon courage. Hein, parce que il va frapper à toutes les portes, et des fois, il ne va pas oser frapper à la région, il ne va pas oser frapper au département, grosse collectivité, il ne va pas oser frapper aussi auprès de la préfecture, parce que grosse structure, il va venir frapper ben, en général à la commune. Ben justement. Enfin. Justement. Ça tombe bien. Il va venir frapper à la porte de la commune, au service économie, en disant voilà, j'ai un projet de tiers-lieu sur la culture, sur peu importe sur le sujet. On a l'espace. Comment vous pouvez nous accompagner ? Et c'est là où je pense qu'on doit mailler le réseau avec l'ensemble des collectivités, des petites collectivités qui sont les premières portes d'entrée pour ces acteurs, en fait. Donc, moi, c'était juste contribuer. Et peut-être sur ce levier, c'est comment faciliter l'information sur, un, l'accompagnement et sur le financement, quel que soit le projet. Parce qu'il y a des milliers de projets, des milliers de tiers-lieux. Chaque tiers-lieu, il a un projet particulier, un objectif particulier. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'est peut-être un élément qui enclenchera un certain nombre de sujets ou de financements derrière, de dispositifs, de coordination, bref. Et donc voilà, donc c'était juste de par rapport à tout ce qui a été dit, et surtout, c'est par rapport aux besoins que je rencontre et que je vois sur le territoire, c'est qu'on a plein de projets en ce moment de tiers-lieux, mais les tiers-lieux, c'est les MJC de l'époque ou c'est les CAS de l'époque. Oui, hein, bah oui, voilà. Bah oui. On change de nom. Mais on est sur le même format. Tu parlais de la boutique chinoise, ou tu parlais même du club football. On est sur le même état d'esprit. Hein. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, ça s'appelle les tiers-lieux. C'est dans l'air du temps. C'est super. Je suis client. Mais notre porte d'entrée, la porte d'entrée du porteur de projet. Nous sommes prescripteurs, nous sommes facilitateurs au niveau de la commune, au niveau des communes. Nous sommes censés être facilitateurs. Oui. Mais sauf que des fois, on n'a pas de réponse non plus. Donc parce que y a une multitude de partenaires, une multitude d'acteurs en fait. Et donc c'est peut-être comment, première porte des porteurs de projets, comment nous avoir cette information ou nous faciliter pour avoir cette information pour pouvoir justement accompagner ce porteur de projet, ce porteur de tiers-lieu. Merci pour ton intervention. M'a fatigué rebondir, mais m'a rebondi quand même. Eh bien, ça tombe bien parce que Brapanon est l'une des communes les plus récentes qui a signé notre pacte. Parce que je le disais, on a un pacte à l'échelle régionale, un pacte à l'échelle départementale, notamment sur la question de l'autonomie alimentaire et la souveraineté alimentaire. Eh bien, on en a un qui a été signé tout récemment par le maire de Brapanon, aussi à l'échelle communale. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est bien, hein, ça a été dit, Jean-Jacques l'a dit,
c'est bien l'échelle la plus pertinente pour mettre en place des actions visibles par les citoyens. Et pour nous, c'est vraiment, même si à la strate régionale, départementale, en fonction notamment de la CTAP, hein, qui a eu lieu début décembre, cette conférence qui permet justement d'ouvrir les champs des possibles, à la fois au niveau des grandes collectivités, mais aussi des intercos, et aussi justement sur cette question des RSE avec la société civile et les entreprises. Ça n'a pas été fait, mais ça sera pour une deuxième fois. Je rebondis sur Brapanon, et c'est vrai que Brapanon, depuis juin, c'est récent, on a une particularité, et ça peut être une expérimentation à l'échelle de cette commune, et aussi de rééquilibrer les territoires, tout le bassin Est, qui est aussi la volonté dans le cadre de la région. Mais nous, à l'échelle d'un petit territoire, même si je n'ai pas vocation à aller dans chaque commune, des fois ça m'arrive, mais là, en l'occurrence pour Brapanon, on a une particularité, c'est que notre coordinatrice du PTC communal est aussi coordinatrice de la CTG. Donc, ce qui donne aussi un maillage qui peut être intéressant, tout en respectant les limites des uns et des autres, en respectant aussi cette déontologie professionnelle, de pouvoir aller au-devant avec les citoyens. C'est le seul territoire, en tout cas, qui a offert cette possibilité-là, notamment dans les perspectives du PAT avec les 187 hectares en agroforesterie et permaculture. Voilà. Mais les autres communes sont bien évidemment aussi... l'idée, ce n'est pas de comparer les communes, hein, mais comme tu parlais de Brapanon, l'idée, c'est qu'on se revoie peut-être très prochainement. Merci. Alors, juste, il reste une dizaine de minutes. Hein, désolé. Oui, mais... Je réponds à la question parce que c'est exactement l'ambition des outils et des dynamiques qui sont mises en place à différents titres. Je prends ma double casquette encore une fois sur la réunion des tiers-lieux. On applique vraiment les outils qui sont construits et imaginés par les acteurs locaux, mais ils sont appliqués également au national, à ce que je disais tout à l'heure, la dynamique de guichet unique qui a été entamée avec notamment France Tiers-lieux et que nous, on essaye aussi de... avec d'autres acteurs historiques des tiers-lieux qui sont à l'initiative de la banque documentaire Movilab, etc. Enfin, voilà, je passe les détails un petit peu techniques et le jargonnage des connaisseurs. Mais en tout cas, vraiment, c'est cette dynamique-là de passer d'une posture d'appel à projet à une posture d'écoute à projet. C'est-à-dire que les acteurs publics vont à terme être à même de consulter l'activité en temps réel d'un tiers-lieu et dire « Ok, ce projet-là, c'est dans ma compétence, je peux le soutenir et je vais le soutenir à telle hauteur. » Nous, c'est vraiment l'ambition qu'on a dans ces outils-là. Et à titre d'exemple, on a accompagné également basé sur le commun numérique connecté, la mairie, vous pourrez échanger peut-être avec Erika Barrett de Saint-Denis sur l'appel à projet en soutien aux associations. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y a un guichet unique, malgré justement un contexte de financeurs multiples, que ce soit l'État, le département, la région, eh bien, ils sont réunis autour d'un dossier numérisé unique qui peut être interprété et valorisé graphiquement en temps réel, etc. Et donc, les acteurs vont pouvoir véritablement se positionner en ligne de financement, dire oui, bah là, moi, je suis en capacité de soutenir ce projet à telle hauteur, etc. Et même d'aller de la déclaration du projet jusqu'à son suivi et sa réalisation et même à son évaluation. Donc c'est vraiment cette dynamique-là qui est engagée et peut-être qu'on pourrait échanger... par la suite. Et juste pour illustrer, aujourd'hui, sur deux régions de France, c'est mis en place, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un interlocuteur représentatif des tiers-lieux et des associations qui centralise l'ensemble des demandes. Et en fait, ils ont travaillé, alors moi, je vais prendre notre exemple, mais en gros, on a un minimum commun de subventions, tout le monde a accès à la même subvention, c'est financé par la région, et après, ils ont défini de manière commune les critères applicables en fonction du nombre de personnes reçues, en fonction du sujet, mais au moins, tout le monde a un socle de base. Et ensuite, on a des critères définis collectivement, parce qu'on est pratiquement 25 espaces. Et en fait, il y a une convention qui est signée avec la région, le département, l'ensemble des financeurs. Et les critères sont transparents, définis par nous-mêmes, et ensuite, on le gère nous-mêmes. Voilà. Donc ça existe, en tout cas. On peut vous donner les accords qui ont été signés ou les choses qui ont été faites, en tout cas.
pour répondre cette fois-ci et pas rebondir. Hein. D'abord, il y a France Tiers-Lieux au niveau national. Il y a au niveau local, il y a la région a mis en place une étude parce qu'elle va mettre dans le prochain PO, je suppose, un système de. Je suppose, je ne suis pas dans. Je suis pas dans le secret des dieux, mais je suppose que ça a été fait pour soutenir les tiers-lieux. Donc c'est la deuxième étape. Troisième étape, il y a le réseau des tiers-lieux, qui lui, puisque nous les avons financés, et ils sont financés également. Et en plus, on a bien senti la dynamique très positive et constructive que vous avez montrée. Donc là, c'est une autre étape. Et au niveau des collectivités, par exemple, le projet dont on a parlé de Saint-Denis, nous l'avions financé à Saint-Denis. En fait, on s'est aperçu que Saint-Denis ne pouvait pas, et comme la plupart des collectivités, appuyer sur un bouton et savoir où on en était de ses subventions à 300 associations et tout ça. Et donc, elle ne savait pas ce qui lui restait à payer. Et là, nous avons fait la demande, Saint-Denis, et nous, on avait de l'argent à donner aux collectivités pour qu'elles fassent de la transformation numérique. Et on leur a financé, entre autres, cette base en temps réel. Quoi. Hein, bon, voilà. Et parce qu'on est bien conscient que ça, c'est ce qu'on vient de dire, on doit savoir au niveau, c'est souvent au niveau communal que ça se fait. Alors ça, c'est pour l'accueil des tiers-lieux. Après, je pense qu'il faut. Alors, est-ce que c'est le réseau des. Il faut aussi structurer les tiers-lieux. Comment structurer les métiers qu'il y a dans les tiers-lieux ? Savoir. Alors, je pense que vous le faites à la raffinerie. Savoir quel métier pour gérer un tiers-lieu. Ce sont des nouveaux métiers. Vous aussi, chez Emergence. Ce sont des nouveaux métiers. Il y a sûrement un travail à faire là-dessus aussi, hein, à mon sens. Après, je pense qu'il y a aussi un travail de sensibilisation et d'éducation envers les élus, les collectivités, parce que là, déjà, on voit bien entre nous, déjà, on a du mal à définir. Et il y a comme beaucoup de choses, il faut le voir pour le croire, hein, comme Saint-Aubin. Et donc, il y a eu CRTL, il me semble, qui a organisé des visites d'élus sur différents tiers-lieux. Ce n'est pas toujours facile de les mobiliser, mais voilà, c'est très important pour qu'ils puissent comprendre, en fait, justement, qu'est-ce que le tiers-lieu, en tout cas, qui visite, quelles sont les ressources qui sont sur le territoire et comment pouvoir travailler ensemble. Peut-être que finalement, organiser des visites avec des entreprises, par exemple dans le cadre du pacte, comme on disait, ça pourrait être aussi une réflexion pour qu'ils viennent visiter ces espaces et voir comment on peut travailler ensemble sur des nouveaux modèles hybrides de formation, d'accès à l'emploi, un petit peu toutes ces choses-là. Mais je pense que c'est très important de continuer aussi cette mouvance, d'aller visiter, se voir les uns les autres, sensibiliser les pouvoirs publics aussi, les informer, les éduquer. Parce que c'est vrai que nous, porteurs de projets, quand on va, on leur explique, on fait Fab Lab, on fait ceci, on fait cela, les gars, ils sont un peu perdus, quoi. Donc, il faut vraiment qu'ils viennent et puis qu'ils puissent comprendre la dynamique qu'il y a sur place, en fait, tout simplement. Puisque, par exemple, que ce soit la raffinerie ou Emergence OI ou Solidarnum, voilà, on a vraiment des activités, des modèles économiques, des profils vraiment différents. Donc voilà, l'important, c'est de pouvoir se visiter et de sensibiliser surtout les collectivités. Et c'est là qu'on pourra aussi peut-être avoir des nouveaux dispositifs. En plus, je pense qu'en France, c'est déjà beaucoup plus ancré sur le territoire métropolitain qu'à La Réunion. Je pense, hein, c'est mon point de vue. Dans le terme tiers-lieu. Non, mais l'idée, c'est d'échanger. Hein. C'est ensemble qu'on peut retrouver. Je vais juste, encore une fois, rebondir. Quand on parlait, par exemple, de nouveaux métiers, ce n'est pas tant des nouveaux métiers, mais c'est peut-être amener ces compétences-là ici à La Réunion. Je parlais de la coforesterie. Les derniers échanges qu'on a avec le président du parc, qui est aussi assez d'accord sur le principe, notamment sur la partie d'aire d'adhésion du parc national, bien évidemment, tout en préservant, en protégeant la forêt. Hein. Il n'est pas question d'abîmer notre belle forêt primaire à La Réunion, 40% de notre territoire malgré tout. Et l'idée, c'est d'avoir cette lisière, c'est-à-dire le cercle entre les trois cercles, qui, en contrebas, avec les quartiers à mi-pente, justement, pourrait servir aussi de champ des possibles, notamment là avec le parc national et Pôle emploi. On réfléchit justement sur la formation des jeunes, pas que des jeunes, sur ces métiers liés à l'agroforesterie. Ça peut aller
effectivement vers l'alimentation, mais pas que, mais sur cette question aussi, par exemple, d'aménagement des territoires des hauts en matière de mobilier urbain avec des matériaux biosourcés de ces territoires-là. Un exemple, je n'ai pas de solution. L'idée, c'est qu'on échange, on lance des pistes et après, voir si c'est faisable ou pas. Merci. Oui, alors moi c'est Noël Conruit, je suis à l'université et je ne veux pas amener de la confusion, mais c'est vrai qu'au-delà du tiers lieu, moi je parlerai d'un quart lieu. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas entendu parler en fait de la recherche dans les tiers lieux, les quarts lieux. Alors moi j'anime un living lab, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais il y a un réseau européen qui existe. Et il s'agit aussi de pouvoir faire en sorte que la recherche descende dans la rue. Donc il s'agit pour cela de ce qu'on appelle les 4P, mais aujourd'hui il y en a un cinquième qui est apparu. Les 4P, c'est partenariat public-privé avec les personnes. Et le cinquième qui devient prépondérant aujourd'hui, c'est sur le patrimoine, c'est-à-dire pouvoir se mettre autour d'une table pour gérer les problèmes qui nous concernent tous, à savoir notre transition énergétique, numérique, écologique, enfin bon, tous ces aspects-là qui vont nécessiter une cohésion du travail collaboratif. Et pour ça, la collaboration, ça doit faire mettre en circulation d'un côté les métiers, donc les entreprises privées, et d'un autre côté aussi la formation, effectivement, le coworking, le co-learning, c'est-à-dire le fait de mêler ces deux aspects, hein, les métiers et les usages, pour pouvoir élaborer de nouvelles solutions. Donc là, on est typiquement dans des écosystèmes d'innovation qui sont orientés, ouverts vers le public. Donc effectivement, la réflexion globale devrait, à mon sens, aller vers l'inclusion aussi des acteurs de la recherche qui doivent descendre dans la rue, évidemment, pour pouvoir mettre en œuvre les solutions de demain avec les gens. Voilà. C'est à mon tour de rebondir. Mais il existe des tiers-lieux, justement. C'est super d'avoir pu aborder ce sujet-là, que ce soit, on avait parlé aussi du handicap ou dans les milieux hospitaliers. Nous, on essaye de porter un projet de recherche et développement au sein du QPV, justement, sur la fibre végétale. Et l'idée, c'est de mettre en contact aussi bien les scolaires, avec les chercheurs, avec les ingénieurs, et mettre en place des programmes scolaires pour qu'ils puissent voir c'est quoi la recherche scientifique, un petit peu toutes ces choses-là. Donc, je pense que aussi, comment impliquer aussi les scolaires pour pouvoir aussi créer des vocations, peut-être quelque part aussi lutter contre la fuite des cerveaux aussi, d'avoir des lieux où ici on peut créer quelque part avec le développement de nouvelles compétences, de compétences de demain, comment créer son propre métier en fait au sein d'un Fab Lab, voilà, des choses comme ça. Juste, si tu me permets vraiment, pas de conclusion, mais encore une fois c'est important tout ce qui a été dit, justement ce maillage entre l'université mais aussi les entreprises, mais également les politiques et la société civile. On a un exemple, mais qui est dans un autre registre peut-être, l'expérimentation qui est en train d'être menée à l'étang Salé, dans le vaisseau, hein, qui est aussi un tiers-lieu. Je ne sais pas si vous connaissez, qui expérimente à travers avec l'IRD notamment, sur un dispositif Isopolis, qui permet justement, là aussi, de voir peut-être, avec les habitants, comment aménager nos territoires et comment aménager le tiers-lieu et comment, surtout, le numérique peut être au service de ces populations et non pas les rendre ni en addiction, ni non plus en surendettement. Merci. C'est une bonne conclusion. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut faire une conclusion, un dernier mot ? Non ? Merci à tous. en tout cas, merci à tous d'avoir répondu présent. C'est pas toujours évident de mobiliser. Je sais que surtout en cette fin d'année, nous sommes tous pris, tous un petit peu occupés, en train de boucler. En tout cas, c'est top d'avoir pu avoir ce moment d'échange. Je pense que pourquoi pas continuer à se voir à l'occasion, à venir nous rendre visite, à participer au café, au petit déjeuner des tiers-lieux. Aller visiter les différents tiers-lieux, nous inviter à venir chez vous aussi, on aime bien. Voilà.
Super. Ben voilà. Ben merci. Rentrez. Soyez prudents.